Salut, c'est Papa Gaming. Donc aujourd'hui, on va parler de jeux baston sur la Dreamcast. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de retour de jeu sur la Dreamcast. J'attendais d'en avoir quelques-uns. Donc là, il se trouve que j'ai chopé pas mal de jeux de baston de beat'em all. Donc on va regarder un peu tout ce que j'ai chopé, en excellent état d'ailleurs pour la plupart. Et ça fait toujours plaisir d'avoir quelques jeux sur la Dreamcast. Je vais commencer avec ce Psychic Force 2012, qui est un jeu un peu moyen, c'est un peu une curiosité. On va voir ça tout de suite. Allez, le retour de la Dreamcast avec ce jeu de merde. Donc là on est dans les versus fighting, je suis un peu méchant avec ce jeu. Donc ce Psychic Force 2012, c'est un jeu où ils ont voulu faire un truc un petit peu novateur, Taito. C'est un jeu de combat en versus, mais dans une arène 3D où on vole, on s'envoie des tirs dans la tronche, comme dans un shoot'em up. Alors, j'ai la red card, j'allais dire. La spin card, ça c'est plutôt pas mal. C'est un jeu, honnêtement, j'ai pas joué longtemps. Ça, c'est vite insupportable, on passe son temps à se courir après, ou alors je sais pas jouer. Le concept est vraiment original, mais franchement, moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas un jeu qui va vous renverser, quoi. Prenez-le comme une curiosité plutôt qu'autre chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Un excellent jeu, vraiment marrant, qui est pas sans rappeler Punch-Out, entre guillemets, pour le côté cartoon, c'est Ready to Rumble Boxing. Donc, second jeu de baston, un petit peu à la Punch-Out, avec un jeu de baston, mais avec de l'humour, Ready to Rumble Boxing. Tout à fait excellent, excellente modélisation des personnages pour l'époque, ça avait vraiment bluffé. Voilà, par contre, celui-là, Ready to Rumble Boxing, celui-là, il paye pas de mine, mais il est tout simplement excellent. Donc, très drôle, jeu de combat. Donc là, j'ai complet spin card, red card, publicité sur le line-up, j'ai même les points. Ne regardez pas mon code, non. Voilà, les petites publicités que vous savez que j'adore ça. Voilà. Ce jeu, donc un jeu de boxe délirant, en fait. Absolument délirant, avec des personnages qui ont des designs complètement improbables. Il est sympa, il est drôle ce jeu, franchement. Je trouve super rigolo. C'est de la baston qui se prend pas au sérieux, bien sûr, c'est en 3D. Mais c'est vraiment un jeu en plus hyper répandu au Japon. Donc vous pouvez l'avoir pour une bouchée de pain en archi complet. Et c'est vraiment fun à jouer avec des potes. Ready to Rumble. Ce Shukusenki Kikayo, donc, qui est un jeu de baston avec des robots un petit peu à la Goldorak. Que je trouve que la boîte est vraiment très très jolie et c'est un jeu assez intéressant qui rappelle un petit peu Gundam Wing, ce genre de jeu de baston. Voilà, donc ce jeu de Gundam de chez Capcom, très très joli design. Ika, il avait raison, c'est un très joli design. Donc c'est un jeu de baston à base de robots tout à fait excellent que j'ai ici avec la spin, la record, la publicité, les points Sega. Je vous ai montré mon code, vous avez vu comme je suis sympa. Donc c'est un jeu avec un bon choix de robots. Je vous dis, moi ça me fait penser à Gundam Génération. C'est de la baston avec des gros tirs. Les coups spéciaux partent assez bien. Il est franchement abordable pour le néophyte, je trouve. Après, il y a peut-être des subtilités qui m'échappent à moi personnellement. Mais vraiment, un bon jeu de baston. Enfin, bon jeu. Non, curieux. Si vous aimez le style robot, je pense que c'est un jeu qu'il vous faut essayer. On va dire ça comme ça. Allez, dans la série des King of Fighters, parce que pareil, tous les nombres pairs sont super bien. Donc là, le King of Fighters 2002. J'avoue que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la série des King of Fighters, mais j'adore le graphisme. Et dans celui-ci, il y a énormément de personnages, de ce que j'ai remarqué, mais j'ai beaucoup de mal à faire la différence entre tous les opus, tellement il y en a. Faudrait vraiment que je creuse un peu cette série, mais quand tu l'as pas fait au fur et à mesure, c'est très dur de s'y retrouver. Un King of Fighters, alors je m'acharne à les collectionner, les King of Fighters, mais je n'y connais rien à cette série. Je serais incapable de vous donner des informations intéressantes. Donc moi, je joue un petit peu aux différents. On m'a conseillé celui-ci.
On m'a dit que c'était un excellent opus, le 2002. Et comme je les voulais un peu tous sur la Dreamcast, parce que je trouve déjà les boîtes sont superbes. Et bon, je voulais les essayer. Après, voilà, avec le temps, peut-être que je trouverai des différences. Mais je le trouve superbe, celui-ci, franchement. Système de jeu, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit. On retrouve pas mal de persos que je connaissais des autres épisodes. Voilà, je peux pas vous dire grand chose, mais j'ai une copie qui est quasiment mint avec spin, et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pas cracher sur ce genre de jeu. Et j'avais acheté Power Stone à sa sortie, et je n'avais jamais joué à Power Stone 2, qui apparemment reprend le même principe de jeu de combat en arène, où on peut jouer à 4. Apparemment avec des arènes qui évoluent un peu plus dans celui-ci, donc faudrait que je l'essaye à 4, et j'ai pas eu l'occasion, mais il a l'air tout aussi excellent que le premier. Power Stone 2, pareil, je peux pas vous dire grand chose, tout ce que je sais c'est que les arènes évoluent. Moi j'ai beaucoup joué au 1 à plusieurs et tout, je me suis vraiment régalé sur le 1. Alors là il y a de la doc à n'en plus finir, qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas ce que c'est, les points, la red card, putain j'ai tout sauf la spin card. C'est pas vrai. Elle est peut-être cachée dans la notice des fois. Il les cache dans les notices. Donc Power Stone 2, un arena game, on va dire, super sympa, avec plein d'armes. Le peu que j'ai essayé, il y a plein de... C'est vraiment dans la lignée du 1. Moi, je vous dis, la seule différence, c'est les arènes. Sinon, il y en a qui préfèrent le 1. Je sais pas, j'ai pas assez joué au 2 pour vous dire. Mais je suis quand même content de cet exemplaire qui est... Peut-être n'a pas la spin card, mais je suis quand même content d'avoir ce Power Stone 2. Et enfin, paraît-il que c'est le meilleur des Garou Densetsu, le Mark of the Wolves. Alors, je sais pas si c'est la version PS2 ou Dreamcast qui est la meilleure. À l'heure où je vous parle, j'ai cette version, et j'ai acheté la version PS2 aussi, mais je ne l'ai pas encore testée parce que je ne l'ai pas reçue. Je ne sais pas dans quel ordre je vais diffuser la vidéo, si je l'aurais eu d'ici là. Donc pour le moment, j'ai que la version Dreamcast et c'est vrai qu'il est, il est vraiment sympathique ce jeu. Et pour finir, on m'a conseillé dans les Garou Densetsu, on m'a dit que c'était le meilleur. Donc je l'ai pris, j'ai eu la chance de l'avoir en mint, là il est neuf quoi. Avec spin et tout. Donc Garou Mark of the Wolves. Je peux pas vous dire s'il est vraiment meilleur que la version Neo Geo, puisque à part en émulation, je la connais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé ce jeu Dreamcast tout à fait sympathique. La machine s'en sort très bien, moi je trouve. Je vais bientôt recevoir la version PS2, donc on pourrait à la limite vous faire un petit comparatif, bien que je ne sois pas spécialiste de ce genre de jeu. Franchement, il est vraiment pas mal. Il est vraiment sympathique celui-là. Et ça fait toujours plaisir de rentrer des jeux comme ça dans une collection Dreamcast. Garou, Mark of the Wolves. Donc voilà pour ces quelques rentrées supplémentaires dans ma collection Dreamcast avec pas mal de bastons. Faut dire que la Dreamcast et la PS2 sont vraiment des consoles idéales pour tous les jeux de baston. Bien sûr, je ne parle pas de la Neo Geo. Donc voilà, je suis toujours content de rentrer des jeux, surtout des jeux japonais, dans un excellent état avec des boîtes qui sont moins fragiles que les boîtes françaises. Allez, ciao !